De plus en plus nombreux autour de nous, les rollers ou les patins roulettes, vous les appellerez comme vous voulez, ne sont pas si dangereux que cela, c'est promis, je vous le dis, certains chiffres l'ont dit, plusieurs études l'ont dit, et c'est aujourd'hui surtout un sport qui fait de plus en plus d'adeptes. Écoutez bien, c'était il y a quelques mois encore 22 000 licenciés en France, c'est aujourd'hui 25 000 licenciés en France. Je vous présente Patrick Perroux, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes le président de la Ligue de Normandie de roller skating. Oui. Tout a commencé il y a bien longtemps quand on parle de patins roulettes. Oh, il y a bien longtemps, il y a un siècle. Il y a un siècle. Il y a un siècle, il y avait plus d'installations pour la pratique du patin à roulettes qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y a un siècle, par exemple, à Rouen, il y avait 4 salles dans lesquelles on pouvait pratiquer le patinage à roulettes. Sur Paris, il devait y en avoir une à peu près par arrondissement. Aujourd'hui, il y a eu un phénomène de mode qui est passé, ces installations ont disparu, on retrouve aujourd'hui ce phénomène, par contre on n'a plus le... Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce phénomène ait pris une ampleur si importante? On parle des grèves de 95 qui ont fait que tout le monde a chaussé des patins à roulettes. Non, non. Les grèves de 95, je dirais que le phénomène roller était déjà arrivé, enfin commençait à arriver, bon les grèves ont profité, il s'est amplifié à ce moment-là. Alors, le roller, c'est certes le roller que vous connaissez, les patins à roulettes que vous connaissez, vous, sur vos trottoirs. Certaines personnes disent que c'est dérangeant, on a peur des accidents, on risque de se faire rentrer dedans, etc. etc. Sachez que la plupart des accidents ont lieu tout seul. Lorsqu'on est tout seul avec ses patins à roulettes, généralement, c'est un mur et pas une personne que l'on rencontre sur un trottoir pour la plupart des accidents. C'est aussi, avant tout, un sport. Il y a plusieurs disciplines. Expliquez-nous, Patrick. Alors, c'est effectivement, avant tout, un sport. On va en voir quelques images de roller en même temps et vous nous parlez des différentes disciplines qui existent. Donc, il y a 7 disciplines au niveau de la Fédération française de roller skating. Il y a la course, ça c'est relativement simple. Il y a l'artistique, un parallèle qu'on est en train de voir, voilà. Il y a le rink hockey, donc c'est du hockey avec des patins traditionnels, les quadras. Et avec des balles. Avec une crosse et des balles. Il y a le roller hockey inline, qui lui se pratique, c'est du hockey, mais avec les patins en ligne. Il y a la randonnée, qui est en train de se développer. Qui, là, c'est vraiment une suite du phénomène roller. Il y a le skateboard qui depuis cette année, s'est affilié à la fédération, qui commence à bien pointer son nez. Donc voilà, on a maintenant voilà un peu toutes les disciplines. Et voilà le rink hockey qui arrive. Pendant qu'on regarde encore quelques images, dites-moi, beaucoup d'amateurs de roller, dont je fais partie, je dois bien l'avouer, vont rouler en ville. Est-ce si dangereux que cela? Comment cohabiter avec le reste de la ville? Je sais, parlons pas en termes de danger, parlons simplement en termes. J'ai dit tout à l'heure que c'était un sport. Et comme tout sport, il y a un minimum de pratique à avoir. Alors, c'est pas très dangereux de le faire en ville, mais moi, ce que je dis autour de moi, ce que je conseille aux jeunes, passez d'abord une saison, deux saisons dans un club. On vous apprendra les techniques de base du roller skating, parce que c'est un sport, il y a des techniques de base, il y a des équilibres à apprendre. Après, vous ferez du roller dans la rue sans aucun problème. Alors aujourd'hui, les clubs existent. Dans notre région, heureusement, il y en a, notamment autour de Rouen, mais également en Basse-Normandie, si je ne me trompe. Pour lier un petit peu la ville et le roller et les fans de roller, il y a heureusement des manifestations comme celle que vous organisez dimanche prochain. Il s'agit du Tattoo Roller Skating de Rouen. Que va-t-il se passer? Alors c'est... Là, un double enjeu qu'on s'est donné à la Ligue de Haute-Normandie. Un, de montrer d'abord que effectivement le roller, c'est un sport. Donc l'après-midi, il va y avoir une course des As avec plusieurs champions du monde, alors que ce soit français, des Belges. Ça va se passer à Rouen, ça va se passer à Rouen, sur les quais, entre les deux rives. C'est-à-dire qu'on va passer de la rive droite à la rive gauche avec un circuit qui prendra les deux ponts. Donc quelque chose vraiment au cœur de la ville. Spectaculaire, en plus. Spectaculaire, avec un appui fort de la ville de Rouen. Ça c'est la partie course. Le matin on va faire une grande randonnée qui sera ouverte à tous, tout patineur, à partir de 5 ans, de 5 ans à 77 ans, il n'y a vraiment pas de limite pour faire du roller. Chacun à sa vitesse, chacun avec son type de matériel, que ce soit les patins en ligne, que ce soit les patins traditionnels, et que ce soit les Fisher Price du petit bébé qu'on emmènera à faire cette randonnée-là. Il n'y a pas d'obligation de distance, chacun arrivera quand il voudra arriver, partira quand il voudra arriver. Et à la fin, tout le monde aura son diplôme avec la distance parcourue au cours de cette journée. Et tout le monde aura peut-être des cadeaux comme ceux que l'on va vous offrir tout à l'heure, comme ces tattoos, bien sûr, c'est le nom de l'épreuve, et puis ces rollers qui se trouvent là-bas derrière moi, vous allez les apercevoir tout à l'heure. Je vous propose de regarder, merci d'être venu nous parler du roller aujourd'hui, Patrick Perroux. Le temps d'aller faire un petit tour à Bolbec en compagnie de Christophe Guillaumard, il nous raconte la ville et un petit peu d'histoire. Moi je me déplace, je vais dehors et on vous propose une petite démonstration de roller. J'espère qu'il ne pleut pas.
On y va, vite. De la Ligue de Normandie de roller skating, eh bien, il y a un petit peu de roller. Regardez qui je vois arriver là-bas. Regarde, Jean, on peut tourner un peu. Regardez qui je vois arriver là-bas. Même Christophe Guillaumard s'est mis au roller spécialement pour l'émission aujourd'hui. Exprès. Ben vas-y, mon petit bonhomme, montre-nous ce que tu sais faire alors. Depuis ce matin. Hein. Depuis ce matin, le début depuis ce matin. Allez, regardez bien, ils sont là-bas. C'est la démonstration tout de suite de roller avec les licenciés donc de la Ligue. Les jeunes filles qui sont devant, patinage artistique. C'est à vous, mesdemoiselles. On vous regarde. Allez. Laura, tiens Laura, approche-toi. Est-ce que tu peux nous raconter, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bah là on vient de faire des sauts, ouais. Alors on a fait l'impulsion, là on va faire, là on fait les toupies, donc c'est... Waouh, la toupie, j'espère que vous l'avez vue. Et puis après on va faire du cachetière, ouais. On a commencé par les arabesques, et puis là... C'est quoi, ça, ça c'est la croupie. La croupie. Allez, je te laisse continuer pour la démonstration. Et puis on va appeler Olivier dans quelques instants. Vous allez pouvoir regarder là-bas, dans le fond. Voici les rollers en ligne de vitesse qui vont arriver maintenant dans quelques instants. Et c'est Olivier qui va venir me rejoindre. Ouh. Olivier, quel est le principe du roller de vitesse? Alors le roller de vitesse, c'est essentiellement bon, des grandes distances. Aussi, ça part du 300 mètres chrono jusqu'aux 50 km, 70 km. Et puis bon, bah, c'est essentiellement... Ça ressemble à la course à pied en fait. Endurance. Il y a de l'endurance, il y a de la vitesse. Ça ressemble plutôt au vélo, vélo sur piste ou athlétisme, même, choses ou comme athlétisme, ça. Voilà. Okay. On vous laisse continuer. Vous juste laisse continuer. Le temps d'arriver. Pardon. Voilà, nous sommes rentrés à bon port, à la maison. N'oubliez pas, si vous faites du roller, de mettre des protections pour les poignets, de mettre des protections pour les coudes, évidemment, et puis pour les genoux, comme j'ai, parce que c'est à ces endroits-là que l'on se fait le plus mal. Et puis le casque est indispensable, évidemment. Patrick, vous avez 30 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui en ce qui concerne le patin. Et pendant ce temps-là, on va même revoir le numéro de téléphone de la ligne de Normandie si vous voulez vous inscrire dans les clubs. Bah, ce que j'ai envie de dire... Pour convaincre les gens. Tous ces jeunes qui font du roller dans la rue, venez dans un club, rejoignez un club, non pas pour y être attaché, mais pour qu'on vous apprenne les techniques de base. Après, vous pourrez éventuellement retourner dans la rue et pratiquer votre sport. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut apprendre. C'est un sport et ça s'apprend. Mmh.